Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc là, on part sur le match-up Poppy. En termes de runes, c'est Grasp, Demolish, Second Wind, Vergrowth, donc la page de runes standard Resolve. Et en deux, moi je prends Cookie et Bot, mais vous pouvez prendre autre chose que Bot, donc Cosmic Insight. Et voilà, moi je préfère prendre Bot. Et voilà, du coup, le match-up, comme j'ai parlé sur ma dernière vidéo Jungle Management, le but c'est à chaque fois, peu importe le match-up, d'avoir un plan pour les trois premières waves. Ça ne veut pas dire que vous pouvez l'imposer. Par exemple, il y a des waves, il y a des lanes comme Kennen, etc. Vous n'allez pas pouvoir forcément jouer la wave 1, ni la wave 2, ni la wave 3. Donc là, dans ce cas-là, bon, bah, vous acceptez et vous essayez de faire au mieux. Mais ça, on en parlera le jour où on tombera contre ce genre de range. Parce qu'il y a des choses à faire en réalité. Mais voilà, pour ça, c'est mieux de jouer contre. Donc là, contre Poppy, j'ai envie de faire comme avant, comme le silage de la vidéo d'avant, donc faire un crash. À crash 3. Le but de Grasp ici c'est de pouvoir bien trade, répondre au trade. Donc voilà, là on pêche, là c'est bon. Là je cancel parce que j'ai envie d'être sur la wave le premier. Pour pouvoir prendre la prio, il faut bien être là le premier. Donc là ça a beaucoup contest, hein, sûrement parce que Poppy elle aussi elle veut prendre la prio, elle a Grasp et tout. Donc, ah, on a un FK. Un jeu E pour pas prendre. En vrai, celui-là, j'aurais pu me le prendre. My bad. Vous pouvez vous prendre le passif si c'est pas Grasped. Je sais pas comment dire ça, mais si elle a pas Grasp, parce qu'elle applique Grasp sur son passif. Ok, donc c'est bon, elle est sortie. Si elle a pas Grasp sur son. Regardez. Oui. Ok, non, là, elle avait Grasp. J'avais pas vu. Mais... Ah ouais, je gagne. Regardez, je récupère mon E. Voilà, hop. Voilà. Donc là, je gagne parce que j'avais mon E. Mais le premier passif qu'elle vous met, vous pouvez vous le prendre, c'est pas un problème, parce qu'il est pas sous Grasp, comme celui-là par exemple. Vous voyez, j'avais pas de dégâts en vrai, c'est ok. C'est vraiment Grasp qui a rajouté des dégâts. Donc là, je ralentis mon push, pourquoi? Parce que j'ai dit crash 3. Là, je vais un peu trop vite. Donc, je suis en train de ralentir un peu. Donc là, je vais juste commencer à la stit. Donc voilà, la wave est un peu avancée. Donc, c'est pas le plus opti. Mais vu que j'ai beaucoup de trade, bah, ça reste ok. Je lui ai quand même fait claquer sa potion. C'est bien. Donc là, voilà, elle est passée niveau 2. J'arrive pas à coller au mur. Donc là, je vais l'engage comme je fais pour Sylas, à la fois pour push, à la fois pour trade. Regardez. Donc, elle s'approche un peu. Voilà. Voilà. Voilà, bon trade. Et à la fois, je push la wave. Voilà. Je suis un CS. J'ai oublié le canon. Ah, j'ai oublié le canon. Quelle tristesse. Alors là, c'est compliqué de dev une Poppy parce que par exemple, si j'ai la jump, elle peut flash sur un côté pour me pousser contre la tourelle ou un truc comme ça. Donc, je préfère pas la dive. Voilà, je crash la wave. Donc là, bah, elle est dans la merde tout simplement. Parce que elle va devoir se push. Elle a pas de potion. Elle est low. Moi, je reviens avec une potion et une épée longue. En plus de la même épée dorade. Donc, vraiment, là, je suis bien. Petite astuce, vous pouvez jump sur les sbires pour revenir plus vite. Donc, là, voilà. Soit elle essaye de crash, soit elle est obligée de base et de TP. Donc, là, moi, je vais forcer une TP juste avec ça. Vous avez vu, de toute façon, le niveau 1 à 3, c'est voilà, c'est juste répondre au trade tranquillement. Je vais pas forcément initier, sauf si j'ai une opportunité contre Poppy, c'est plutôt répondre. Mais gérer ma wave en premier. Donc là, elle va sûrement TP. Voilà, voilà, déjà TP en fait. Là, ça va être compliqué de garder le free. Donc voyez-vous. Celui-là, je peux me le prendre, c'est pas très grave. Franchement, je peux me le prendre, c'est pas très très grave. Là, elle a Q, donc je peux jump. Elle a mis un bon E. Là, je recule. Elle a pas de potion, par contre. Elle a juste. Alors là, je veux qu'elle Q. Voilà. Oh, la petite raid auto. Enfin, jump auto Z, et voilà, vous avez votre trade. Donc là, je claque ma potion. Donc là, elle est morte. Et donc là, j'attends, elle a flash. J'attends, hein. Hop, auto-attaque. Voilà, elle est morte. Non, elle a faut être patient, elle a flash, n'allez pas forcément la suivre parce qu'elle va récupérer son. Ok, j'ai vu Viego. Parce qu'elle va récupérer son shield, vous êtes patient, vous attendez vos CD, vous revenez, vous la tuez. Là, il est là, je sais que je suis pas mort, hein. Je sais pas ce qu'il va faire. Mais... Alors là, j'ai pas eu le canon, dommage. J'avais une petite crainte qui me flash stun. Au cas où j'ai back. Au cas où j'ai reculé. Bon. Là, je back. Je vais acheter phage. Pas besoin de potion, en vrai. Du coup, je préfère avoir phage direct. Je peux 3-16 sur ça. D'XP. Ça reste ok. Sur un gank. Je voulais avoir le canon, mais finalement, je l'ai pas eu. Donc là, Viego est sûrement pas loin. Là, mon but, c'est juste de slow push tranquillement. Pourquoi? Parce que déjà, c'est le plan de base, là.
et Vi est en train de pass bot et Diego est peut-être toujours top. Là mon but c'est juste de le push tranquillement, faire des trades gratuits s'il y en a, donc là elle va essayer de me toucher le passif, voilà. Là elle est venue sur moi direct, je prends le shield et là je trade. Là, je trade. Je passe devant elle, vous voyez comment je passe devant elle? Là j'essaie de le CS, là j'avance plus, pourquoi? Parce que 9k arrive, elle va me défoncer sinon. Là bon, là j'essaie de le CS, là c'est mon mode. Passe niveau 6, donc vous voyez encore une fois, hein, je suis niveau 6 à niveau 4, donc franchement je suis bien. Là je suis vraiment bien. Là par contre je vais crash direct, pourquoi? Parce que sinon. Ouais. Là j'ai pas fait attention à la wave, mais là j'aurais dû crash direct, pourquoi? Parce que là, le problème c'est que là elle va arriver ici, donc c'est vraiment pas le meilleur spot. Ça reste ok vu que je suis devant, mais c'est vraiment pas le meilleur spot ici. Vous voulez pas avoir votre wave sur ce spot là. Moi je vous montre ce qu'il faut pas. Ce qu'il faut pas faire entre guillemets, donc là elle est morte. Voilà, là c'est juste de la connaissance. Vous n'êtes pas obligé de prendre le trade, encore une fois. Vous n'êtes pas obligé de prendre le trade que j'ai pris. Mais je vous montre que c'est possible. Vous aurez pu juste crash tranquillement. Peut-être la poke un peu. Ou back. Ou faire autre chose. Là, je vous montre juste. Là, je vous montre juste en fait que voilà, vous pouvez la tuer si vous êtes confiant sur Jax, si vous connaissez les combos. Et mécaniquement, si vous êtes confiant et tout, vous pouvez la tuer comme là. Bon, encore une fois, voilà. Déjà, il faut voir l'opportunité, moi je l'ai vue, et il faut la saisir, ça c'est encore autre chose. Le plus important vraiment, c'est de vous montrer que de base, vous pouvez gagner avec le management. C'est vraiment le plus important. Vous n'êtes pas obligé de risquer mécaniquement, de tenter un flip tout le temps, en vrai en lane, alors qu'il y a des match-ups comme là, ou Poppy, ou c'est un match-up négatif, ben, vous pouvez vous en sortir. Là, la 19 CS, 2 CS, c'est ce que vous avez quand vous la citez parfaitement, la wave 1, 2, 3. Moi j'en ai 41. Et juste grâce au management, hein, tout simplement. Voilà. Parce que là je l'ai tué sur un crash, donc j'ai perdu quasiment 0 CS. La wave se push vers moi. Ok. Donc là j'ai perdu un CS, pas très grave, c'était pour décaler sur le pied. Donc là je freeze tranquillement. Okay, donc là elle a plus de Z, j'ai pas E. Donc le Z, voilà, il coupe le jump. Là, je vais pouvoir la trade. Voilà. Auto. 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 Z. Voilà. Là, c'est un bon trade. Là, voilà. Mon but, là, j'aurais pu la tuer avec un flash. Hein. Mais c'est pas mon but. Elle est en 0-2. Je préfère garder mon flash pour survivre ou pour faire de meilleurs moves. Là, je sais qu'elle est dans un bush. Donc, juste je drague la wave comme ça. Je fais genre. Voilà. J'ai vu rentrer, en fait. Bon. Là, vous voyez, j'ai un freeze, donc elle va perdre encore beaucoup de CS. Là, j'ai juste à base. Tranquillement, je vais vendre mon cookie parce qu'il sert plus à rien. À la place, je vais prendre deux épées. Et voilà. Voilà. Longsword. Ouais, ça freeze. T'as juste les mêlées qui meurent. Mais ça freeze quand même, donc c'est ok. Là, c'est intéressant. Parce que là, vous allez voir, du coup, je vais vous montrer. Ça, c'est la wave canon. Bon, le freeze est un peu proche. J'aurais pu quand même la stit 2-3 CS avant. Bon, ça, c'est encore, c'est vraiment l'expérience. Pour savoir vraiment pixel, comment freeze pixel, etc. Combien de sbires laisser, etc. C'est vraiment avec l'expérience, etc. Vous voyez qu'en fait, c'est fine. En vrai, c'est parfait. Hein. Là, c'est parfait. Je perds 3 CS, mais elle perd quasiment toute la wave canon. Même elle perd toute la wave canon, en fait. C'est énorme ce qu'elle perd. Donc là, je suis. Donc là, mon but, c'est quoi? C'est d'avoir ma trinité. Je suis pas loin. Donc là, mon but, c'est de freeze. Et dès que je vais avoir ma trinité, c'est de slow push et de crash et de back sur trinité. Voilà. Là, je suis encore un peu loin, quand même. Il manque environ 500 gold. Ok, elle a air la wave. C'est fine, elle va revenir. Enfin, je vais juste freeze la wave. Voilà. Ah non, elle a air la wave. Mais voilà. Elle revient. Je suis fine. Là, je freeze pour l'instant. Il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Je n'ai rien d'autre à faire. Parce que le problème, c'est qu'elle joue safe. Moi, j'aimerais bien me battre là. En vrai. J'aimerais bien me battre. Mais le problème, c'est qu'elle joue beaucoup trop safe. Alors là j'ai fait une erreur du coup, c'est que j'ai stun toute la wave, donc la wave était un peu low, donc le freeze n'a pas pu continuer. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez, c'est un peu avancé, mais vous voyez en haut à gauche, mes sbires sont plus forts que les sbires en face. Vous voyez? Genre en gros je vous fais un clic, donc là mes sbires deal 1%, bon plus 1% mais deal 1% de dégâts en plus aux sbires ennemis, et surtout ils étaient plus résistants. Alors les 100, je sais pas ce que ça veut dire en termes de stats, mais ils sont plus résistants. Donc voilà, c'était un peu le truc qui. Voilà, je le push, je sais aussi slow push ça là.
Alors, si ça aurait été une wave normale, je l'aurais pas slow push, j'aurais crash celle-là, mais vu que c'est une wave canon, elle va durer plus longtemps, donc j'ai le temps de slow push celle-là et attendre la prochaine wave qui arrive. Là, je trade pas, parce que si je trade, le problème c'est que ça va push la wave trop vite et ça va arriver sur un spot que j'aime pas. Sur un semi-crash, donc c'est pas mon but. Là, voilà. Voilà, cette crash. Apparemment, j'ai un farm en ce moment, mais c'est horrible. Bon, allez, je crash. Petit tricks, bon, là, je suis quasiment full HP, donc ça va pas trop servir, mais si vous avez encore une potion rechargeable ou quoi, ben, consommez-la juste avant de base, comme ça, quand vous arrivez à la base, vous pouvez repartir plus vite vu que vous avez la potion. Alors, cette game, on va plutôt partir sur Mercure, donc je vais rien acheter, je vais acheter une pink. Donc là, voilà, les gars, une fois que vous avez votre power spec, le but, c'est de slowbone le power spec sur l'adversaire, sur la lane, de partout, en fait, parce que là, du coup, j'ai Trinité. Là, je suis bien dans ma game, donc il faut que je snowball ce power spec là. Plus de TP. Donc, comment faire donc en tradant, en prenant le push, en essayant de dive, en sécurisant les grubs, en essayant de poser la vision dans la jungle adverse. Donc, en vrai, il y a plein de moyens. Mais voilà, le but, c'est vraiment d'appuyer. C'est pas d'attaquer Trinité, de continuer à freeze. Comme des fois, je vois des mecs qui sont en 10-0 en lane, ils restent là à freeze de toute la game en mode bon, bah, le but, c'est d'avoir sans cesse d'avance sur le mec adverse. Bah, non. Ok, tu t'amuses en lane à faire ça, mais le but c'est de win la game quand même. Voilà. Là vous voyez que la game elle est pas gratuite. Elle va être compliquée. Donc là qu'est-ce que je fais? Je crash. Il y a les grubs qui spawnent. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais aller voir au niveau des grubs s'il n'y a pas Viego dessus. Je vais poser une ward ici. Et Viego est bot. Viego est bot. Donc je vais demander à ma Vayne. Donc là j'ai envie de trade, donc là on va faire genre en auto, et là hop, jump, donc là il a le réflexe. Des fois voilà, des fois ils ont le réflexe, des fois ils ont pas le réflexe. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que si vous voyez le mec en face, il a toujours le réflexe de Z, vous utilisez pas votre E, vous utilisez juste votre Q pour jump. Voilà. Elle a plus Z. Ça fait un petit trade. Bah, déjà ça la prépare un peu, donc là j'avance. Z, voilà, ça c'est un petit peu que vous pouvez faire, genre vous avancez un peu comme les Camis qui Q et qui E out, bah là c'est pareil, sauf qu'avec Jax vous mettez un Z et vous mettez votre Q instant out. Ça je l'ai expliqué dans ma vidéo combo Jax, comment justement mettre bien le Z sans prendre de coup de tourelle et tout. Donc là il va pas s'y attendre à ce que je jump, donc regardez. Voilà, s'y attendait pas. Là je savais que j'avais des dégâts pour la tuer, c'est pour ça que je l'ai jump, sinon je n'aurais pas jump. Donc là voilà, là la TP, donc le but c'est de prendre la tourelle. Donc vous voyez comment je l'ai préparé pour un dive. Au pire c'est dur à dive, hein. Au pire c'est vraiment dur. Mais je l'ai préparé petit à petit avec des petits trades. Et j'ai trouvé l'all-in et voilà, je l'ai tué. Donc là, en termes d'item, en 2, je réfléchis déjà. Je pense que je vais prendre. Ah ouais, on va prendre Botarka, allez. Hein. Alors, dans vos games, je pense, les gars, c'est soit vous prenez Stride en 2, la 60 de raid. Moi, j'ai envie de tester Botarka, donc je vais prendre Botarka, mais voilà, c'est pas obligé. Parce que voilà, je trouve que Botarka, en fait, c'est fort avec le up qu'ils ont fait. Le up du passif, donc voilà, j'ai envie de tester ce que ça donne. Donc là, il y a sûrement Viego à côté, mais c'est fine, je suis en vie. En tout cas, si je trace tout droit, il a pas les dégâts pour me tuer, et moi j'ai récupéré mon E, donc ça va être ok. Donc là, voilà, là je vais back, je vais prendre Mercure, j'en ai besoin. Ils ont beaucoup de CC en vrai, je vais commencer à beaucoup décaler et tout. Elle a pas de ward, donc je vais pas TP direct, je vais peut-être TP sur la T1. Prendre pioche. Ouais, j'ai pas eu le temps de prendre arc au courbe, c'est pas grave. Là, on a quand même eu certains grubs. Bon, ils ont en fait tous eu, ils en ont eu qu'un. Donc là, voilà, je start les RAL. Donc le but, quand vous êtes devant, c'est d'accélérer. Comment vous accélérez? Le meilleur moyen d'accélérer, c'est quoi? C'est les RAL. Voilà. De base, qu'il n'y en ait plus deux. À l'époque, il y en avait deux, c'était trop bien. Donc là, voilà, je ping comme quoi je vais le prendre. Voilà. Donc là, maintenant, la question, c'est où le poser? Alors, le mieux, c'est de le poser mid pour débloquer la mid lane et du coup, ouvrir la carte. En gros, si je peux dire ça en des termes... voilà, c'est de la macro, mais tranquillement, voilà. Si je peux dire ça en des termes simples... Ok, voilà, la tout mid, j'ai pris quelques coups de tourelle, c'est fine. C'est d'ouvrir mid, du coup, sur la T1. Comme ça, ça permet d'avoir beaucoup plus d'espace pour jouer. Là, normalement, ok, je vois Viego, vous voyez, il est bot. Donc, je vais pas être contest. Viego bot, Anivia mid, donc là, normalement, je suis safe. Là, voilà. Là, je pousse, vous voyez, je mets beaucoup de dégâts avec les grubs, mais surtout Trinité, hein, Trinité, ça met beaucoup de dégâts. Ah ouais, je vois toujours la team bot. Là, je peux jouer. Là, je
beaucoup de goals là, vraiment je prends beaucoup de goals, je mets beaucoup de pression aussi. Je vais pas aller plus loin, je vais voir s'il y a un raid. Je vais pas forcément jouer sur ça parce que là ça sert à rien. Moi j'ai fait mon play, je suis low. Je vais pas forcément faire plus. Quoique en vrai j'ai bientôt BOTRK. Alors si vous prenez BOTRK, essayez de garder Pet de Ran. Vraiment les deux synergies très très bien parce que du coup vous aurez 3% de life steal en plus. C'est trop trop bien. Voilà, essayez d'avoir les deux. C'est ça que là je vais prendre ça. Là si je baisse je l'ai hein, dans mon épée de Doran. Mais là j'ai pas envie de la vendre donc je vais prendre le carap. Je vais voir s'il y a une plante pour que je puisse revenir en lane. Bon, si, y a une plante. Donc, je vais prendre la plante, je vais prendre le carap. Et je vais aller top pour prendre la wave. Voilà. Donc là je sais que je suis un peu de ma vie. Hein. Eux ils sont en train de faire le drake etc. Mais encore une fois c'est Kendrick, ils sont pas obligés de le jouer. Enfin, ils sont pas obligés. Ils peuvent le jouer parce qu'il y a quand même Vi en 3-0. Donc vraiment ils peuvent. Ryze il est bien dans sa game aussi. Ils peuvent le jouer mais ils sont pas obligés. Une fois, ils sont pas obligés. Là, ça fight, c'est pas. Voilà. Je vais faire avoir ma BOTRK. Là, s'ils décident de faire le move, en fait, c'est. Voilà, ils sont 3, ils sont 4. 4 contre 4, s'ils décident de faire le move, c'est leur problème, c'est pas mon problème. Moi, perso, si je devais faire un pari comment s'appelle le site déjà? Winamax. Je dirais qu'ils perdent. Perso, là j'aurais parié sur le fait qu'ils perdent, mais c'était quand même close, hein. Vous voyez, Samira était très low, Vi est très low, ils ont pris 2 kills, c'est chaud. Hein. Bon. Donc là vous voyez qu'il y a 2 morts, moi je vais pas aller rejoindre le KO, moi j'ai dit que je voulais prendre la TM1000, donc je me cadre dans mon objectif de prendre la TM1000. Voilà, là je pose mon Herald, tout ça. En vrai je l'aurais eu sans Herald je pense, mais bon. Ouais, en vrai ouais. Si on peut le faire charger T2, c'est cool quand même. C'est nice. Là, je m'escape maintenant. Ok, on a la T1 normalement, la T2. Ouais. Donc là, j'avais une escape avec mon jump ward de toute façon. Même si Trey j'étais pas là, donc voilà, là c'est... Là les gars, mesurez l'impact que j'ai dans la game, hein. Je viens de prendre T1 mid, T2 mid, je viens de tuer MF et je m'enfuis alors qu'ils sont 3 sur moi. En termes d'impact là, je suis en max. En 3 c'était rack je pense. Ouais je pense c'était rack, hein. Parce qu'il y a Nvidia donc je peux pas prendre que de l'armure. Sinon là, juste entre Viego et MF, j'aurais pris soit Death Dance, soit Randouin. Ok, donc là je vais TP. Là, premier teamfight de la game. Là, voilà, je vais juste aller sur Viego, simplement. Là, je le suis. Hop. Les dégâts Trinité Botarka. Incroyable, en vrai. Et voilà. J'ai rien fait, hein, je suis arrivé. Vraiment, le fight s'est fait de lui-même. Mais voilà. Là, en gros, je devrais partir bot. Mais le problème, c'est que le temps que je base, que je vais bot... Ce sera pas, en fait, je serai pas aligné avec mes mates. Là ils vont prendre ils vont essayer de prendre la T3. Et dès qu'ils vont essayer de base, là, je base. Ok, bon, ils ont sur. C'est que des games, je raconte que des games sur N. Bon, vous avez vu en gros l'optique, vous avez vu le plus important de façon jusqu'ici. Là, le but c'était vraiment de vous montrer de façon au niveau de la lane et comment snowball derrière une game. Parce que voilà, je comprends que ça soit compliqué des fois. Là, c'était pas très compliqué en vrai, il y avait juste bot où il était derrière. Mais quand même, MF en 6-0. Et vous, en fait, ce que je voulais vous montrer dans cette game, c'est le chaos qu'il y avait en mid-game, vous voyez? De leur côté, pas de mon côté. Moi, de mon côté, nous savions ce que je voulais faire, que ce soit en top, que ce soit en mid, que ce soit au niveau de l'Héral, de partout, j'avais toujours un plan, même par rapport à mes items, j'avais toujours un plan, j'avais toujours ce que je voulais faire. Maintenant, évidemment, il y a des moments où vous allez devoir groupe, vous allez devoir faire des trucs qui voilà, ne vous plaisent pas forcément, jouer les garde-fous, etc. C'est pas le cas cette game, donc à l'avenir j'espère qu'il y aura une game où justement je pourrais vous montrer ça. Le moment où voilà, c'est un peu compliqué, vous devez être là. On va dire que ces moments-là, c'est plus si vous êtes even ou derrière, quand vous êtes super devant comme là, c'est vous qui dictez un peu le rythme de la game. Donc en fait, vos mates ils font ce qu'ils veulent, c'est à vous en fait de dicter le rythme de la game, d'être vraiment voilà, celui qui dicte le rythme de la game. C'est pas à vous de vous adapter à vos mates, c'est à vos mates de vous adapter. S'adapter à vous quand vous êtes devant, mais voilà, tout simplement. De toute façon, pour le reste, je vous l'expliquerai à l'avenir sur d'autres gameplays. J'espère en tout cas que le gameplay vous a plu et je vous dis bah à bientôt, les gars.